Le cancer est un fléau mondial. En Allemagne, on dénombre 500 000 nouveaux cas et environ 220 000 décès par an. En France, 355 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et 148 000 décès enregistrés. Presque une personne sur deux sera atteinte d'un cancer au cours de sa vie et tout le monde connaît dans son entourage une personne atteinte. Il n'y a pas un, mais des cancers. On en recense à ce jour plus de 300 différents. La maladie commence toujours par la croissance incontrôlable d'une cellule. Dans le sang, le sein, le poumon, chaque partie du corps peut être touchée. Et personne n'est à l'abri. Le cancer a pris une place considérable dans notre culture, dans nos vies. Le mot suscite tout à la fois la terreur et force à l'humilité. Le cancer fait de nous des résistants, des historiens de son empire. Il nous plonge dans le chagrin lorsqu'il envahit soudain nos vies. Il fait de nous des soldats. Mais chaque année qui passe fait un peu plus la lumière sur les dysfonctionnements au sein d'une cellule cancéreuse, sur ce qui peut être ciblé, prévenu, traité.